Alors, bonsoir tout le monde. On va débuter dans quelques minutes. J'attends juste les dernières rentrées dans la rencontre. Alors, nous allons débuter très, très, très bientôt. Je suis contente de vous voir. Je vois des petits amis aussi. Bonjour, les amis. Waouh! Oui, j'aime ça. Bonjour, tu me fais signe. Moi, je m'appelle Madame Brigitte. Je suis la directrice de l'école. Je suis contente de te voir. Tu as entendu la chanson de l'école si tu étais ici avant. Lorsque tu vas venir à l'école, tu vas entendre cette chanson souvent lors de nos rassemblements et on a des mouvements de danse que Mme Mélanie va te montrer. Tu vas être capable de chanter, danser cette belle chanson. Alors, puisqu'il est 18 heures, je vais débuter. Premièrement, je vais me présenter. Je m'appelle Brigitte Leveuve-Malien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la directrice de l'école. Et ce soir, avec moi, j'ai l'honneur de vous présenter quelques membres de mon équipe. Alors, je pense que je vais commencer avec. Mais là, je vois que Madame. Une de mes enseignantes a une problématique avec sa connexion. Donc, on va commencer avec Madame Nathalie. Je pense que tu es là. Oui, bonjour, ça va bien? Donc, je vais commencer. Bonsoir, chers parents. Premièrement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre belle école L'Ange Gardien. Je me nomme Madame Nathalie. Je suis l'éducatrice PAGE en maternelle. C'est ma deuxième année à L'Ange Gardien. Ça fait plus que 7 ans que je travaille au conseil comme éducatrice PAGE. Je suis également une maman depuis 20 ans déjà. Mon rôle dans la classe est de travailler en équipe avec l'enseignante, Mme Rachel, afin d'assurer la sécurité, le bien-être et le développement global de votre enfant. Ensemble, comme équipe, nous accompagnons vos enfants en les observant et en les éclairant selon leurs besoins. Je suis heureuse de vous partager ma passion comme éducatrice PAGE en guidant votre enfant à grandir à son plein potentiel. J'ai bien hâte de rencontrer vos petits cocos. Merci beaucoup. Merci, Madame Nathalie. Puis je vois que Madame Rachel est de retour. Sa connexion doit être mieux. Alors, Madame Rachel. Oui, ben, je ne sais pas si tu peux me voir. OK. Bonjour. Donc, je me présente. Je m'appelle Madame Rachel. Je suis l'enseignante de la maternelle. À la maternelle, on fait beaucoup d'activités. Puis tout l'apprentissage est fait par le jeu. Donc, on fait des mathématiques, des sciences. On apprend à connaître Jésus. Et le tout se fait en français avec l'appui de Madame Nathalie que vous venez de rencontrer, qui m'accompagne et accompagne les élèves en tout temps. Donc, j'ai bien hâte de faire des nouvelles découvertes avec vous et apprendre à vous connaître davantage. Donc, un beau bonjour. Puis, je vois Mélodie qui est là. Donc, bonjour Mélodie. Puis, l'autre petite amie, bon, on va apprendre à le connaître. Je ne connais pas son prénom. Donc, à tantôt. Merci. Puis Madame Mélanie est là aussi. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre école L'Ange Gardien. J'ai bien hâte de travailler avec vous, les petits amis. Donc, moi, je suis enseignante d'art et aussi enseignante d'éducation physique. Et cette année, je travaille avec les amis de maternelle en art et en éducation physique. Et
Et aussi, dans les années passées, j'étais enseignante d'ALF. Donc, il est fort possible que l'année prochaine, je sois aussi enseignante d'ALF. Donc, c'est pour aider aux amis à parler en français. Et en art, on va surtout faire musique, danse, théâtre, art visuel. Puis, en éducation physique, bien, c'est beaucoup apprendre à vraiment bouger, puis apprendre à jouer aussi ensemble, puis faire des jeux. Donc, on s'amuse beaucoup. Merci. Bonne rencontre. Merci, Mme Mélanie. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le diaporama qui a été conçu pour essayer de vous donner une idée. Qu'est-ce que ça aurait l'air si j'aurais pu vous donner une tournée? Alors, c'est comme une tournée virtuelle que je vais vous montrer. Alors, on va commencer avec la prière pour commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Prière au Saint-Ange gardien. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, puisque le ciel m'a confié à vous dans sa bonté, éclairez-moi, gardez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi aujourd'hui. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Mme Mélanie. Et maintenant, nous allons passer à la reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que dans l'Est ontarien, nous sommes sur le territoire traditionnel algonquin non cédé du peuple Anishinaabe, ainsi que le grand territoire du peuple Odonosné. Excusez. Oui, merci, madame. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était notre mascotte. Alors, les amis, notre mascotte s'appelle Rio. Vous le voyez derrière moi, mais je vais vous présenter un petit vidéo qui vous le présente encore plus. Écoutez ça. Cher futur élève de l'ange gardien, j'aimerais te présenter mon ami Rio. Rio est la mascotte de notre école. Il aime les petits. Comme il aime les grands. Il est entouré d'une super belle équipe. La langue maternelle de Rio est le français. Même si Rio ne parle pas car il est une mascotte, il pense toujours en français. Rio est aussi catholique. Il aime participer aux messes de l'école. Rio aime les sports, la lecture et les arts. Rio aime aussi participer à des activités dans la communauté. Les trois valeurs les plus importantes pour Rio sont le respect, la responsabilité et la sérénité. Il croit qu'ensemble, on peut réussir. Rio te souhaite la bienvenue dans le école. Alors voilà, c'est Rio, c'est notre mascotte qui représente notre école. Futur élève de l'ange gardien. Comme Rio l'a bien dit, nous sommes francophones et nous sommes catholiques. Et puis à tous les jours, nous vivons notre foi et notre langue francophone. Donc, à tous les jours, on a de l'enseignement religieux, on a des activités pastorales pour aider à faire vivre nos valeurs catholiques. Alors, c'est ce qui explique la francophonie et la catholicité. Et bien sûr, je te présente une petite tournée. Hein, si on voit dans le corridor de la classe de maternelle, voilà le corridor et voilà un petit aperçu de la classe, mais on va y revenir tout à l'heure. Dans notre école, il y a une classe de maternelle où il y a une enseignante et une éducatrice de la petite enfance que tu as rencontrée au tout début, Mme Rachel et Mme Nathalie. Là, je passe la parole à Mme Rachel. Tu t'amuseras beaucoup avec tes amis et tu y feras plein de beaux apprentissages. Donc, ici, tu vois les amis qui jouent dans les différents centres, le déguisement, la cuisine. Et puis, à la dernière, ils sont en train de faire des sciences, donc planter des graines pour faire pousser des plantes. Donc, on s'amuse très bien. Merci, Mme Rachel. Et bien sûr, Mme Nathalie.
Voici notre fameux gymnase. Dans ce grand local, tu feras des activités pour être en forme, faire des exercices, des sports, des jeux d'équipe et la détente. Et en plus, vous êtes très choyés parce que moi, l'éducatrice Page, va vous suivre lors de vos activités en éducation physique, en art et aussi à la bibliothèque. Si. Et voilà, en parlant de la bibliothèque, voilà notre belle bibliothèque où tu vas avoir le plaisir de lire des livres ou peut-être quelqu'un va te lire un livre et tu pourras même emprunter des livres que tu pourras apporter à la maison pour montrer à maman et papa. Voici le local d'art. Alors, en art, nous faisons plein de choses vraiment, vraiment amusantes. On va faire, comme j'ai dit tantôt, on va apprendre sur la musique, on va faire de la danse, on va faire aussi du théâtre et de l'art visuel. Vous allez voir qu'on bouge beaucoup, beaucoup en art, puis qu'on a vraiment aussi beaucoup de plaisir. Il y a aussi un local d'informatique à l'école où on a une série de portables. Tu pourras aller dans ce local-là un peu plus tard quand tu seras un peu plus vieux. Mais il y a aussi de la technologie dans ta classe. On va y revenir plus tard. Je te présente maintenant la chapelle de l'école. Et oui, puisque pour aller aux messes ou pour faire des célébrations de l'Avent ou du Carême, nous nous réunissons à la chapelle de l'école et le prêtre vient nous voir là et c'est là qu'on célèbre nos célébrations et nos messes. Alors, à notre école, nous avons de l'appui en français, l'équipe pédagogique de la maternelle, avec l'appui de l'enseignante ALF, te fera vivre plein de belles activités pour t'aider à apprendre la langue française. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter si tu ne connais pas tous les mots en français. Ce n'est pas grave. Nous, on va t'aider avec plusieurs personnes, avec plusieurs activités amusantes, avec l'art dramatique et puis des marionnettes, toutes sortes de choses. Et puis, même si l'enfant n'a pas beaucoup de vocabulaire en français, il ne faut pas s'inquiéter. Il n'est pas tout seul ou elle n'est pas tout seul. Et puis, c'est incroyable le progrès qu'on fait de septembre même à décembre. Quand les enfants peuvent communiquer. Donc, chapeau à ce beau programme qu'on offre ici à l'école parce que ça fonctionne et on a de beaux résultats. Voici la salle à dîner. Alors, dans la salle à dîner, il y a des gardiennes du dîner, des adultes comme des grands amis de 5 et 6 qui viennent aider les petits pour s'assurer qu'ils peuvent ouvrir toutes leurs choses et s'assurer que tout se passe bien à la salle à dîner. Madame Rachel? Ton micro, Madame Rachel. J'ai oublié le micro. Donc, tu pourras t'amuser avant et après l'école pendant que tes parents sont au travail grâce au partenariat avec le CRFE, qui est le Centre de ressources familiales de l'Estrie. Les heures d'ouverture sont de 6h30 à 9h, le début des classes, et ensuite de 15h45 à 18h. Donc, il y a une éducatrice qui est là pour accueillir les enfants et faire plein d'activités avec eux. Eh bien, oh, voici une grande partie de ta journée. Tu auras à aller jouer dehors et puis tu t'amuseras dans notre très grande cour d'école. Tellement grande qu'on a une grande section pour les grands et avec leur structure de jeu et une grande section pour les petits de la maternelle et du jardin qui ont leur propre structure de jeu, leur propre endroit pour jouer dehors. Mais voilà, qu'est-ce qui nous rend unique, nous, à l'Ange gardien? Premièrement, c'est notre programme d'art. Alors, on est chanceux d'avoir une enseignante spécialisée en art qui fait de la musique, les arts visuels, les arts dramatiques, ainsi que la danse. Et notre enseignante d'art prépare de très, très beaux spectacles de Noël. C'est de toute beauté et c'est à ne pas manquer. Donc, c'est sûr que cette année, les programmes et les informations que je vous offre ici ce soir sont la programmation que nous avons habituellement à l'école,
mais qu'avec la pandémie, c'est sûr que notre programmation était différente cette année. Mais en temps normal et habituellement, on aurait nos spectacles de Noël et tout le reste de la programmation. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qui nous rend unique, c'est notre programme d'art ainsi que notre programme de sport. Donc, tous les amis, c'est sûr, profitent du cours d'éducation physique. Mais à compter de la première année, nos élèves peuvent participer à nos équipes sportives et représenter notre école lors de tournois ou des compétitions dans notre région. Avec votre permission, bien sûr, maman, papa. Alors, dès la première année, il y a une course de fond. Et puis plus tard, en 4, 5, 6, il y a des tournois de hockey, de volleyball, de basketball. Un autre programme qui est unique à nous, c'est notre programme de techno. Alors, ici, on développe les habiletés liées à la citoyenneté numérique à côté de la maternelle. Nous avons accès, comme Mme Rachel pourrait vous attester, à un chariot de tablettes que les élèves, ici, on aperçoit ici à la gauche un petit garçon qui est en train de lire un code QR pour participer à une chasse au trésor. Et dans la photo du centre, on aperçoit des amis en train de faire la robotique en 5 et 6. Et puis ici, on aperçoit un ami qui utilise la technologie pour faire un projet d'art. Donc, c'est sûr que notre programme de techno est très bien coté et puis on le débute dès la maternelle. Donc, un autre programme qu'on a ici à l'École de l'Ange Gardien, c'est notre programme de renforcement positif et bien sûr notre CrossFit géant que vous avez vu plusieurs fois ce soir. Alors, tous les amis de l'école peuvent gagner un morceau de casse-tête quand ils font des bons choix. Puis, lorsque le casse-tête est complet, tous les amis de l'école se méritent une récompense. Par le passé, nous avons eu un tour de cachette à la largeur de l'école. Nous avons eu une chasse aux œufs. Nous avons eu un bingo à l'intercom. Alors, plusieurs activités et les amis ont hâte de voir le gros casse-tête complété. Bien sûr, on a un programme de collation où tous les amis ont accès aux collations à tous les jours. Seulement si, je ne sais pas, si quelque chose arrive à la boîte à dîner ou il y a une banane qui s'est fait effoirer ou il y a quelque chose, on a oublié d'ajouter nos collations pour les amis qui font leur dîner. Alors, on a toujours accès à de belles collations pour nos amis. On a aussi une patinoire du village qui est à même sur notre terrain de l'école. Donc, c'est un endroit que tu pourras aller voir pendant le cours d'éducation physique à l'hiver, bien sûr. Alors, nous avons des casques et des patins pour les amis qui n'en ont pas et les amis s'amusent beaucoup lorsqu'ils sont sur la patinoire, c'est sûr. Nous sommes aussi une école communautaire entrepreneuriale consciente, ce qui veut dire qu'on invite les élèves à apprendre différemment avec des projets qui sont concrets et utiles. Puis on met en vedette leur créativité, leur développement de soi et tout en leur enseignant comment avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, les élèves sont les initiateurs, les réalisateurs et les gestionnaires du projet. Je vais passer la parole à Madame Mélanie. Oui, alors, voici l'horaire de notre journée à l'école. Le début des classes se passe à 9h10. La première récréation du matin est à 10h35. Nous avons le dîner à 12h10. La récréation de l'après-midi à 15h30 et le départ, la fin des classes, à 15h45. Et maintenant, une journée typique à la maternelle. Qu'est-ce que ça leur a l'air? Alors, on va jouer un petit vidéo. Regarde bien, qu'est-ce qui t'attend lorsque tu vas venir à l'école? Chers futurs amis de la maternelle, voici à quoi ressemble une journée à notre école. Après ton arrivée en autobus, tu vas faire le calendrier en classe suivi d'une collation et de la récréation. Tu vas ensuite faire tes activités de mathématiques et de littératie. L'heure du dîner se passe en classe et aussi à l'extérieur.
Suite à la récréation du dîner, nous faisons un petit repos bien mérité. Pendant la journée, nous avons la chance d'aller au gymnase pour bouger ou dans le local d'or pour créer. Tu vas apprendre beaucoup de choses à la maternelle. En plus, tu vas rencontrer plusieurs nouveaux amis. À bientôt! Alors, voilà un exemple d'une journée bien remplie. Je suis certaine que à Mme Rachel, quand les amis arrivent à la maison, ils sont fatigués, surtout le mois de septembre, quand ils s'habituent à notre routine, notre journée. Et c'est pour ça qu'on leur donne un temps de repos aussi en après-midi. Je passe la parole à Mme Rachel. Donc, voici le matériel que tu dois apporter à l'école. Un sac à dos assez grand pour mettre des travaux dedans, des bricolages et des choses de cette façon. Une boîte à dîner, une boîte à goûter, des souliers d'intérieur et extérieur. Aussi, une serviette pour le repos. Donc, je préfère une serviette que d'une grosse couverture. Ça prend moins de place, c'est plus simple. Et aussi, optionnel, on a les tablettes pour mettre dans les casiers qui sont très utiles durant l'hiver pour séparer les mitaines et les bottes. Oui, merci, Mme Rachel. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à la suite de cette présentation à aller inscrire votre enfant en ligne. Alors, si vous ne connaissez pas la façon de le faire ou vous ne l'avez pas déjà fait ou vous n'avez pas déjà un enfant à l'école, parce que dans ce cas-là, j'ai toutes les coordonnées. Mais sinon, vous allez facilement sur le site web de l'école et vous cliquez sur le rectangle vert intitulé « Inscrivez votre enfant maintenant ». Et puis, de cette façon-là, vous accédez à l'inscription rapide qui a l'air un peu comme ça. Ou est-ce que vous remplissez quelques informations générales pour que je puisse communiquer avec vous par la suite pour vous envoyer le formulaire officiel? Donc, tout ça se trouve sur le site web de l'école. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'ici septembre? Alors, bien, premièrement, vous allez recevoir un courriel de ma part suite à votre inscription en ligne avec tous les formulaires essentiels et d'autres liens utiles que vous aurez à compléter pour terminer l'inscription. Par la suite, au printemps, à peu près avril-mai, je dirais il y a un programme d'initiation à la vie scolaire où on invite les enfants à venir à l'école pendant 3 matinées, où est-ce qu'ils apprennent à vivre l'horaire du matin avec nous, ils rencontrent d'autres amis, ils rencontrent notre beau personnel, notre belle équipe, ils vont voir le gymnase, ils vont jouer à l'extérieur. C'est une excellente façon de leur montrer un aperçu de qu'est-ce qui leur attend, qu'est-ce qui les attend au mois de septembre. Par la suite, je dirais au mois de juin, vous allez recevoir une trousse de préparation à la maternelle par la poste avec l'horaire, la liste de fournitures et puis les dates pour les entrevues d'accueil. Tout cela, vous allez recevoir au mois de juin pour être capable de bien vous préparer pour l'entrée échelonnée du au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, les amis ne viennent pas tous les jours pour les premières 2 semaines, mais par la suite, ils viennent à tous les jours. Donc, ça vous donne, au mois de juin, amplement de temps à vous organiser avec une gardienne ou une garderie, si c'est le cas. Au mois d'août ou septembre, quand la rentrée commence, vous allez vivre la rentrée progressive avec votre enfant. Et puis, au mois de septembre, on a une entrevue d'accueil avec Mme Nathalie et Mme Rachel, donc l'enseignante et l'éducatrice de la petite enfance, pour apprendre à connaître votre enfant davantage. Donc, c'est ce qui vous attend d'ici septembre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ce temps-là aussi pour aider avec la transition des amis? Bien, vous pouvez aller sur le site de l'école à même l'onglet d'inscription dont je vous disais tout à l'heure. Alors, cet onglet ici, inscription, et vous allez voir dans la rubrique un diaporama qui s'intitule « Découvrir notre école ». Ça vous permet d'aller revoir le diaporama avec tous les locaux. Donc, si vous voulez revivre puis faire la tournée de l'école virtuelle avec votre enfant d'ici ce temps-là pour le rassurer puis apprendre à connaître les places dans l'école et pour s'approprier notre école,
c'est une belle façon de le faire. Il y a aussi un abonnement à nos réseaux sociaux qui pourrait vous aider parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur Facebook, Instagram, à notre école, plein de belles activités que vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir nos activités, nos événements, nos célébrations. Alors, c'est une belle façon aussi pour votre enfant de voir qu'est-ce qui se passe à son école. Et voilà! Cela termine notre petite présentation, mais moi, je vais rester en ligne si jamais vous avez des questions. Puis, vous pouvez allumer votre micro, me poser des questions, ou si vous voulez, je vais mettre ce diapo-là avec tous nos coordonnées également. Vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous téléphoner. Je suis à l'école du lundi au vendredi, de 8h à 4h, même maintenant. Donc, vous pouvez m'appeler si vous préférez un appel téléphonique ou m'envoyer un courriel. Et voilà, ça termine notre présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou quelque chose que je peux, ou une question pour notre enseignante ou notre éducatrice. Ça va les questions? As-tu des questions? Bonjour. Ça, c'est la petite soeur d'Olivier et Kellyanne. Oui, et Alexis qui est en virtuel. Et Alexis! Il ne faut pas que j'oublie Alexis. C'est la dernière, ça. Hein? La dernière. C'est déjà le temps de l'inscription, mais je me souviens, elle venait à nos rencontres, c'était quoi, les jeudis matins qu'on faisait ça? Avec les 0 à 4 ans, nos rencontres de jeux, oui. Oui, bonjour. Si, veux-tu dire allô? Bonjour, oui. Mon grand! Je peux te voir! Mais oui, viens, tu veux-tu dire bonjour? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Arthur. Bonjour Arthur, ça me fait plaisir de te rencontrer. J'ai tellement hâte que tu viennes à l'école. Oui, t'as-tu hâte toi aussi? Oui, hein? Regarde,